Voilà, c'est la mission permanente de la République démocratique du Congo à Genève, dans un appartement ici à Genève, derrière l'hôtel intercontinental. Voilà. À part cette plaque, rien n'est pouf qu'il y a. Ah bon, il y a des compatriotes congolais. Voilà, ça c'est notre consulat du Congo. Ah bon? Mais pourquoi il n'y a pas de drapeau alors? Ah, ça c'est dommage un peu, mais bon. Je trouve que ça va venir à l'avenir. Ah d'accord, c'est bien. C'est bien de le préciser, je pense que ça va venir, c'est important quoi. C'est bien, c'est bien. Mais c'est très agréable, c'est très chaleureux. C'est bien, on sait, hein. Même les chargés d'affaires est très bien. Oui, bonjour monsieur le chargé d'affaires. Vous allez bien? Ah, c'est très bien. Voilà, c'est monsieur... Pardon? Tu n'habites plus Paris, mais là... Oh, toujours à Paris. Toujours à Paris. Toujours à Paris. Oui, oui. Donc, il n'y a pas de drapeau. Pas de drapeau. Mais bon, l'accueil est chaleureux. Café. Voilà, c'est derrière l'hôtel intercontinental au 18 rue Budet, ici à Genève. L'hôtel continental qui est devant nous, c'est aussi l'endroit où réside le président camerounais Paul Biya. Il y passe beaucoup de temps là-dedans. Voilà, donc... nous sommes à Genève. Il faut monter cette colline. Notre mission permanente à Genève, c'est dans un appartement, pas trop visible. Donc on ne sait pas si les Congolais vivant en Suisse s'y retrouvent aussi facilement. Mais l'ambassade se trouve effectivement à Berne. Voilà, nous avons là l'hôtel intercontinental. Voilà le bâtiment où réside Paul Biya, qui fait parfois 6 mois à Genève et pas assez de temps au Cameroun. Voilà, il y a un centre commercial pour ceux qui viennent à l'ambassade. Ils doivent nécessairement passer par ce centre commercial qui est là-devant. Et il faut monter. Il faut monter. Voilà Genève. Voilà ces grands bâtiments qui abritent notre mission permanente. Voilà. Il n'y a pas de drapeau, aucun signe, sauf une petite plaque devant l'entrée pour dire que c'est la mission permanente de la RDC. Et pourtant, tous les organismes des Nations Unies sont implantés ici à Genève. On prend l'exemple de la FAO, l'organisme des réfugiés, OCHA, pour aider les plus démunis. Il y a l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, c'est aussi à Genève. Il y a plusieurs organismes internationaux qui se trouvent ici à Genève. New York étant surtout, disons, abritant plutôt les instances politiques, notamment avec les conseils de sécurité. Mais tout se passe à Genève. Mais c'est aussi à Genève où
Au fait, la RDC n'a plus d'ambassadeur, cela fait de lustre. On n'a qu'un chargé d'affaires. Et on se pose la question, pourquoi ces désintéressements? Pourquoi la RDC n'a pas son ambassade, n'a pas un ambassadeur nommé? Et cela fait plusieurs années que ça dure. Alors que les enjeux importants se jouent aussi ici à Genève. Mais on ne comprend pas pourquoi c'est cette attitude, pourquoi c'est cette non-prise en conscience ou cette non-prise en compte de cette réalité diplomatique. Voilà, nous avançons. Nous allons vous montrer quand même que ce que nous disons, ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous avons ici, vous le voyez bien, ça c'est la représentation permanente de la Belgique à l'ONU. Un peu plus bas, vous verrez qu'il y a l'ambassade du Koweït. C'est presque à l'angle avec l'hôtel intercontinental. Voilà, nous avons l'hôtel intercontinental ici à Genève. Où loge le président camerounais Paul Biya. Nous continuons un peu plus bas. Voilà, nous sommes toujours à Genève. La majorité des bâtiments que nous avons sont des bâtiments de Nations Unies. Je vais vous parler de l'ambassade du Koweït qui se situe presque en face de la mission permanente du Canada. Voilà, je vais traverser pour vous montrer donc. Voilà l'ambassade du Koweït, la mission permanente auprès des Nations Unies. Voilà. Elle est bien visible. Vous avez en face la mission permanente du Canada qui est là. Voilà. Donc la RDC
peut-on dire qu'elle est vraiment présente ici à Genève? Je ne sais pas. C'est vraiment aux Congolais de se poser des questions, surtout ceux qui habitent la Suisse. Et ils peuvent nous dire si effectivement ils sont bien servis par leur ambassade. Mais l'impression qu'on a, c'est que la RDC n'est pas omniprésente ici à Genève. Non pas par rapport simplement au bâtiment. Je pense que le plus important aurait été d'avoir un ambassadeur attitré. Et on se pose la question pourquoi on a remplacé si rapidement Miranchoku à Paris par Christian Ileka, alors que en Suisse et notamment à Genève, cela fait de lustre, cela fait plusieurs années que la RDC n'a pas d'ambassadeur. Et cela n'inquiète pas, cela laisse indifférent. Alors que la diplomatie congolaise montre par A plus B que les mollassons devaient plutôt avoir des dents, elle les a pas. Être présent là où se décide, là où se prennent des grandes décisions qui peuvent changer le fonctionnement du monde. Eh bien, la RDC est absente. Voilà ce que nous pouvons vous dire. Donc, nous terminons ces reportages en vous montrant que, en tout cas, les autres pays ont compris. Voilà, en face de moi, vous avez la mission permanente de la Fédération de Russie, bien encadrée. Et nous on n'a pas encore compris d'être présent là où les décisions importantes se prennent. Voilà, chers internautes, c'est à vous de vous donner une idée par rapport à notre diplomatie, la manière dont elle fonctionne. On est étonné de voir Tambwe Mwamba faire des allers-retours pour le Rwanda, un petit pays qui ne nous apporte rien, si ce n'est des malheurs plutôt, alors que la RDC devait défendre sa diplomatie partout où les grandes décisions se prennent. Elle est omni-absente, elle brille par l'absentéisme, et on se pose la question pourquoi cette diplomatie mollassonne? Cela n'a rien à voir avec l'amour ou le désamour du pays, mais cela doit réveiller la conscience des Congolais pour dire que demain, si les pays étaient libérés, il faudrait penser véritablement à avoir une diplomatie qui puisse permettre à ce que la RDC retrouve sa place au niveau des concerts des nations. Voilà, amis internautes, nous nous arrêtons là et nous vous souhaitons vraiment, nous vous remercions d'abord de nous avoir suivis, et nous on va tranquillement entrer dans l'enceinte des Nations Unies. Où les grandes décisions se prennent.
où tout se joue, où tout se décide. Et nous, on confond la mission permanente auprès des Nations Unies avec l'octroi de visas. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà. Pardon. Voilà. Voilà. Nous entrons. Nous avançons. Nous sommes dans l'enceinte des Nations Unies. Et donc, la RDC doit revoir profondément sa diplomatie. Une diplomatie qui respecte les autres pays à travers le monde, mais une diplomatie aussi qui essaye d'être présente là où les choses se décident. Pas une diplomatie omniabsente comme nous le vivons actuellement, où on change des passeports, soi-disant des passeports biométriques, en n'avertissant pas ses concitoyens. On envoie une lettre à toutes les chancelleries, alors que les Congolais qui sont les premiers bénéficiaires de ces passeports ne sont même pas informés. On prend des décisions à la va-vite, avec des conséquences désastreuses, et on s'en excuse même pas. On trouve cela normal. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la RDC a beaucoup à faire pour retrouver véritablement sa place dans les concerts des nations. Nous nous approchons petit à petit vers la salle plutôt des droits de l'homme, où se tient actuellement la conférence sur la pauvreté. Et j'espère que nous aurons l'opportunité de vous en dire beaucoup plus dans les jours qui viennent. C'est un peu ça. Nous sommes très... Voilà, pour ceux qui veulent, qui font des visites guidées des Nations Unies, c'est ici qu'ils passent après avoir reçu leur macaron. Et nous nous avançons à l'entrée 40 pour pouvoir aller dans la salle de conférence où se tient la conférence sur la pauvreté. Nous espérons que ce petit reportage va vous indiquer, va vous informer par rapport aux vrais enjeux que loupe parfois la RDC. Voilà, nous avons là... le tableau est indiqué.
Voilà, on va s'arrêter là. La conférence sur la pauvreté se tient là. Donc voilà, on s'arrête là et à très bientôt.